Bonjour à toutes, bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la vidéo, on va faire des nems, donc voilà, le ramadan il approche, donc je préfère commencer à faire des vidéos dès maintenant. Alors on va commencer par les ingrédients. Alors comme vous pouvez le voir ici, du poulet, du blanc de poulet écrasé, vermicelle chinoise, que j'ai coupé en petits morceaux, carottes râpées et des champignons chinois. Voilà. Sel et poivre, une pincée de chaque. Un œuf entier, avec quoi je vais mélanger. De la sauce soja sucrée, que j'ai pris d'Intermarché. Et pour tout à l'heure, comme j'aurai fini, des feuilles de riz que j'ai pris de métro. Voilà, ça sera pris, on va le tremper dans l'eau pour faire la suite. Donc là, je vais rajouter le sel et le poivre. Déjà. Une cuillère. Deux cuillères. 3 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Voilà. Alors, l'œuf entier. Je vais, pour mélanger le. Faire la farce. On mélange la farce. Je vais mélanger à la main. Voilà. Donc, voilà, je vais mélanger et on se retrouve tout de suite après pour l'étape suivante. Voilà, j'ai mis de l'eau tiède dans une poêle qui est un peu profonde pour que la feuille de riz puisse bien tremper dedans. Donc voilà, on va la tremper. Je vais essayer de tremper 2 ou 3 par fois pour pouvoir les attaquer en fait les unes à la suite des autres. La feuille, je vais la mettre dans une assiette sec. Voilà. Je vais prendre de la farce, je vais venir mettre là. Voilà. Et je vais venir rabattre les deux côtés, premier côté. Deuxième côté, et je vais venir enrouler et serrer un petit peu pour que ce soit pas trop espacé, sinon ça va s'ouvrir. Donc voilà la première. Voilà, la première est terminée. On va attaquer la deuxième. En général, ça plaît énormément aux enfants comme aux grands. Mais moi, plus particulièrement, je le fais pendant le ramadan, accompagné dans la soupe, accompagné des feuilletés, de tout. Donc voilà, on va faire pareil pour toutes et on se retrouve après. Voilà, j'ai mis un peu d'huile à chauffer à feu doux. Là, on va les faire cuire. Toujours pareil, à feu doux par contre, parce que sinon, ils vont pas cuire la feuille de riz ne va pas cuire correctement. Donc voilà, et ne les approchez surtout pas, parce que sinon, ils vont coller. Et quand vous allez les retourner, ils vont se déchirer et impossible de récupérer. C'est récupérable. Éloignez-les, ce serait mieux pour vous. Voilà. Je vais en mettre pas beaucoup parce que sinon j'ai peur qu'ils collent.
qui vont gonfler, la feuille de riz va avoir tendance un peu à gonfler. Donc voilà, on va les laisser cuire doucement, comme je vous dis, à feu doux. Et on se retrouve après. Voilà le nem terminé. J'ai mis la sauce des nems au centre pour tremper le nem dedans. C'est très très bon, très succulent. Donc voilà, je vous laisse déguster. Manger à votre faim. Vous pouvez l'accompagner de salade. Moi j'ai mis de la salade. Vous pouvez mettre une salade à côté sans la feuille de salade que j'ai mis dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Laissez des commentaires si vous avez des questions à poser. Il n'y a pas de souci, je réponds. Donc voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Feels like I'm always waiting. I need you to come back.